Cause you
Bonjour à tous, au nom des organismes compétents EMAS, je vous souhaite la bienvenue à cette journée des parties intéressées par EMAS. Alors cette journée est organisée cette année par la Wallonie dans un contexte un petit peu particulier. Du coup, on a dû s'adapter à la situation actuelle, mais peu importe, on est ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui, même à travers votre écran, puisque la journée se déroulera sous la forme de 3 webinaires. Le défi auquel nos organisations sont confrontées aujourd'hui est le suivant. Comment pouvons-nous faire face à la crise Covid et en même temps atteindre les objectifs centraux en matière d'environnement et de durabilité? Quelles mesures permettent aux entreprises de gérer la durabilité de manière plus résiliente? Et dans quelles conditions les entreprises peuvent-elles contribuer à une transformation socio-écologique? Entre la relance économique et le Green Deal européen, une des pistes pour une gestion durable des entreprises, c'est EMAS. À mes côtés aujourd'hui, Caroline Dandois, coordinatrice EMAS, qui va vous en dire davantage à ce sujet. Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver aujourd'hui. Alors, comme vous le savez, EMAS, c'est un instrument de premier choix pour garantir la performance, la crédibilité et la transparence d'une organisation en matière environnementale. Alors, il s'agit d'un système de management environnemental mis en place au niveau européen qui fête cette année, en fait, ses 25 ans d'existence. Ce système permet d'évaluer, d'améliorer et de rendre compte de la performance environnementale des organisations. Il reprend, en fait, toutes les exigences de la norme internationale ISO 14001, bien connue par la plupart d'entre vous. Mais le système EMAS va un cran plus loin, puisque les organisations qui s'y soumettent doivent en plus démontrer le respect total de la législation, l'amélioration de leur performance environnementale, de leurs résultats environnementaux, l'implication de leur personnel et la publication annuelle d'un rapport environnemental qui s'appelle la déclaration environnementale annuelle. Actuellement, la Belgique compte 65 organismes enregistrés EMAS, dont 37 sont wallons, 20 sont bruxellois et 8 sont flamands. Au total, c'est 747 sites qui sont couverts par un enregistrement EMAS en Belgique. À l'échelle de l'Europe, on compte 3652 organisations engagées dans le référentiel EMAS et 12515 sites. Alors, le fil conducteur de cette journée, c'est le Pacte vert pour l'Europe. Pour répondre aux défis actuels, l'Europe met en place une nouvelle stratégie orientée vers une économie moderne, compétitive et efficace dans l'utilisation des ressources, dont les émissions nettes de gaz à effet de serre sont devenues nulles en 2050, où la croissance sera dissociée de l'utilisation des ressources et où personne ni aucun endroit ne seront laissés de côté.
Ce pacte vert propose un plan d'action destiné à promouvoir l'utilisation efficace des ressources, en passant à une économie propre et circulaire, à restaurer la biodiversité et à réduire la pollution. Bien sûr, les organisations engagées dans un système de management environnemental tel qu'EMAS ou ISO 14001 n'ont pas attendu ce pacte vert ou la crise Covid pour passer à l'action. Nous verrons ensemble comment elles peuvent contribuer aux piliers circularité, mobilité et biodiversité du pacte vert européen. Je vous invite à poser vos questions via le chat tout au long de ce webinaire. Les orateurs y répondront avec plaisir. Dus u kunt aan onze live deelnemen door vragen te stellen. Vous pouvez poser des questions sans aucun souci. Nos experts répondront à vos questions sans aucun souci. C'est le pilier mobilité qui nous questionne dans ce webinaire. Pendant des décennies, la voiture a été considérée comme un moyen de transport privilégié. Espaces et infrastructures routières ont été pensés en fonction de cette priorité. Conséquence, la plupart des grandes villes, comme Bruxelles, sont congestionnées par le trafic routier et ses conséquences bien connues. Pollution atmosphérique, réchauffement climatique, mauvaise qualité de l'air, dégradation du patrimoine, insécurité, santé publique, etc., etc. Depuis des années, nous entrons dans une logique différente, favoriser la multimodalité des déplacements, des personnes et des marchandises. Lors de ce webinaire, nous allons voir comment les organisations peuvent franchir des étapes pour passer à l'économie circulaire avec un système de gestion écologique. Comment est-ce que ces organisations ou certaines organisations ont réussi à convertir dans la pratique leur stratégie autour de l'économie circulaire? Et puis, d'autre part aussi, quelles sont les actions que les entreprises peuvent entreprendre? Et donc, je souhaite la bienvenue à M. Xavier Takoun de Maestro Bill, qui va donc nous esquisser le cadre. Bonjour à tous, webinaire sur la mobilité. Je remercie les organisateurs, en particulier la Wallonie. Se pose la question de cette crise historique qu'on a vécue, le Covid-19, est-elle une opportunité pour repenser notre mobilité, notre système de mobilité, nos comportements individuels de mobilité? Je vais présenter deux parties. Tout d'abord, mais que nous ont dit les enquêtes en fait, sur la mobilité post-Covid? Alors, est-ce qu'on est en période post-Covid? L'avenir nous le dira. En tout cas, on a déjà un premier exemple de période où les gens ont recommencé à se déplacer. Pour cela, on a eu l'occasion, nous, d'organiser entre le 15 avril et le 3 mai 2020 une large enquête au niveau national, publiée essentiellement via réseaux sociaux, étant donné la crise sanitaire, donc avec évidemment des biais méthodologiques, mais qu'on a essayé d'isoler le plus possible. C'est une représentation aussi fortement francophone. On a plus de 80% de l'échantillon qui était francophone, donc une sous-représentation clairement du niveau néerlandophone du pays. Néanmoins, on montre quand même que les résultats sont assez robustes et je l'ai comparé à d'autres enquêtes qui ont été menées sur le sujet. Alors, que nous a dit cette enquête? Tout d'abord, qu'on a 4 personnes sur 10 qui disent que cette crise les a fait prendre conscience de la nécessité de changer leurs habitudes de mobilité. Et donc là, on a gagné du temps. Il faut savoir que les changements de mobilité, ça se fait sur des décennies. Et ici, on a eu une sorte de réveil de la population, des entreprises, des citoyens, etc., sur ces questions. On parle aussi beaucoup de télétravail. Et d'ailleurs, ça se retrouve au cœur de la déclaration de politique gouvernementale énoncée hier. Le télétravail devient un pilier de la réflexion de durabilité. Donc ça, c'est tout à fait nouveau, évidemment. Et puis, il n'y a pas que la mobilité des personnes, il y a aussi les comportements d'achat et les impacts que ça va avoir sur les chaînes logistiques. Et donc, on se rend compte qu'on a quand même une grande partie des gens qui disent que ça va avoir dans le futur des impacts sur la mobilité. Si on s'intéresse plus précisément au changement de mode, notre enquête démontre que 34% des répondants déclarent qu'ils feront plus de vélos ou trottinettes, éléments de micromobilité après le déconfinement. À l'inverse, on voit qu'on a près d'un tiers des répondants qui disent qu'ils utiliseront moins le transport public et plus ou moins 22% qui disent que, étonnamment, ils utiliseront moins la voiture contre 9% plus. Donc ça va un peu à l'encontre de ce qu'on pourrait croire. Il y a cette notion aussi de télétravail rapproche les gens de leurs activités. Donc quand on dit moins utiliser la voiture, ce n'est pas nécessairement moins la prendre, mais la prendre aussi sur des plus courtes distances ou essayer de valoriser les commerces de proximité, les activités de proximité. Si on s'intéresse maintenant avec un focus sur qu'on dit les gens par rapport à leur mode de transport avant le Covid, on remarque que là aussi, il y a des changements. Donc les gens qui utilisaient déjà le vélo comme mode principal avant la crise disent qu'ils vont encore en faire plus qu'avant. C'est-à-dire que ponctuellement, sans doute qu'ils prenaient le transport public ou la voiture et qu'ils s'attendent dorénavant à l'utiliser plus.
C'est encore plus frappant pour le transport public où près de la moitié des utilisateurs fréquents du transport public déclarent qu'ils l'utiliseront moins. On y reviendra là-dessus par la suite. Et ce transfert a l'air de se faire en partie, en tout cas vers les modes actifs, à savoir en particulier le vélo. Même les personnes qui utilisaient précédemment la voiture disent, selon l'enquête, qu'ils pensent faire plus de vélo qu'auparavant. Ceci s'explique notamment par ces périodes de confinement où on a pu redécouvrir en famille, en couple, tout seul, les espaces verts à vélo. On a redécouvert son quartier, on a pu avoir le temps, grâce au télétravail forcé, de redécouvrir des modes de transport qu'on n'avait peut-être pas le temps de redécouvrir. Ce qui est intéressant aussi, parce que la mobilité, c'est une question de comportement, mais c'est aussi une question de politique de mobilité, on voit que 3/4 des répondants nous indiquent que cette crise est une occasion unique de repenser nos politiques de mobilité et d'espace public, notamment d'agrandir les trottoirs, parfois au détriment du stationnement automobile, alors qu'on avait quand même une représentation assez importante de gens qui utilisaient régulièrement la voiture. Tout le monde est bien conscient qu'on ne peut pas requalifier l'espace public sans prendre de la place à la voiture. Pas toute la place, mais un rééquilibrage des modes de transport. Et donc, clairement, la réponse est oui, cette crise est une occasion unique de repenser la mobilité. Alors, d'autres enquêtes. Vous voyez ici un tableau qui présente, et je vous laisserai le temps de le lire après le webinaire. L'idée n'est pas d'aller dans le détail. Tout ce que je peux vous dire dans ce tableau, c'est que nous avons réalisé une enquête sur 3000 répondants, l'SPF Mobilité, 2000 répondants, la société de consultance Deloitte, 3000 répondants, et la VUB, institution académique, 600 répondants. Chaque structure, évidemment, tout à fait différente dans son approche, représente des intérêts potentiellement différents. Mais elles disent toutes la même chose. Un transfert évident du transport public vers le vélo, une montée en puissance somme toute relative de la voiture, de par le fait que les distances vont sans doute diminuer, et une augmentation majeure du télétravail. Et donc on retrouve ça vraiment en filigrane à travers toutes les enquêtes. Il y a une cinquième enquête, donc je ne peux malheureusement pas publier les résultats, qui a été faite par les 4 opérateurs de transport public, mais qui convergent vers des résultats tout à fait équivalents. Et depuis la rentrée, qu'est-ce qui s'est passé ? Ici, je fais un focus sur Bruxelles, mais on l'a vu sur d'autres territoires. 75% de cyclistes en plus sur les routes bruxelloises lors de la première semaine d'école. La STIB, la Delaine, etc. ont annoncé qu'ils étaient vraiment plus ou moins à 2/3. Maintenant, on augmente encore un petit peu parce qu'il fait un peu moins beau. Mais clairement, ils n'ont pas encore retrouvé leur niveau d'antan par rapport à la fréquentation du transport public. Et quelque part, tant mieux, parce que le transport public n'est pas un mode de transport dangereux par rapport à la crise sanitaire. Il faut bien le rappeler. Mais il faut évidemment éviter la surfréquentation et éviter que tout le monde soit collé les uns contre les autres. Mais vraiment, message important en tant que responsable et masse mobility manager, il faut ramener les gens dans le transport public, c'est vital. À Bruxelles, l'heure de pointe a disparu, en tout cas elle avait disparu en septembre. Il est évident que depuis la fin du mois de septembre, la pluie, l'automne, etc., on ne peut plus en dire autant, mais on n'est pas non plus dans une situation catastrophique, même si certains médias voudraient nous le faire penser. Alors comment changer la mobilité en entreprise? Quel est votre rôle en tant que responsable EMAS? Comment agir à un niveau local, on va dire, en tout cas à l'échelle de l'écosystème entreprise? Le partage de l'espace public avant la crise du Covid, c'était ça. Des gens agglutinés dans le transport public, des piétons qui avaient un espace relativement confortable sur les trottoirs, un cycliste qui essaye péniblement de se faufiler entre des infrastructures peu adaptées et de l'autosolisme prégnant qui habite nos territoires depuis très longtemps. Après la crise du Covid, voilà la situation. À savoir que les trottoirs ils sont devenus exigus parce que les gens marchent plus, les gens font la file devant des commerces, des nouvelles activités urbaines se sont développées au niveau local. Les cyclistes sont devenus très nombreux, mais n'ont pas toujours beaucoup plus d'espace. Le transport public garde sa place qu'il mérite, mais évidemment, on transporte beaucoup moins de monde. Et notre ami autosoliste est toujours seul dans sa voiture et occupe un espace important. L'enjeu, c'est aplatir la courbe. Ce sont des notions, flatten the curve, qu'on maîtrise bien maintenant avec la crise sanitaire et sciences sano. Mais la mobilité, c'est la même chose. Il faut aplatir la courbe. Il faut travailler sur la demande. On ne peut pas travailler à l'infini sur l'offre. On ne peut pas doubler la capacité du transport public pour respecter la distanciation physique. On ne peut pas créer des pistes cyclables en permanence, etc. Tout n'est pas possible. Donc, il faut travailler avec des mesures de gestion de la demande pour limiter, pour éviter qu'on dépasse la capacité du système de transport, à l'instar du système de la capacité hospitalière. Différentes manières, réduire et décaler la mobilité, typiquement changer les heures et permettre le télétravail ou en tout cas le travail plus flexible, arriver au travail vers 10h, 10h30, changer ces choses-là, ça c'est vraiment une responsabilité managériale de l'entreprise, modifier les parts modales et gérer différemment les réseaux et l'espace public.
concrètement, à l'échelle de l'entreprise, vous avez différentes choses. Vous pouvez faire de la planification stratégique, opérer des services, activer. Et je vais me concentrer sur le dernier volet, le dernier pilier, l'activation. Trop d'entreprises mettent à disposition des vélos et puis se plaignent parce qu'ils prennent la poussière. C'est parce qu'il manque quelque chose de fondamental. Et le cadre EMAS, et on le sait que toutes les politiques environnementales, c'est très bien de mettre des panneaux solaires, mais c'est encore mieux d'éteindre la lumière quand on quitte la salle de réunion. La mobilité, c'est la même chose. Il faut activer, il faut accompagner, il faut incentiver. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Vous avez plein d'outils pour vous aider là-dedans. Je fais notamment référence, comme on met à l'honneur la Wallonie aujourd'hui, on va mettre l'Union Wallonne des entreprises à l'honneur, avec ses 150 fiches actions pour la mobilité de votre entreprise. C'est un petit guide pratique qui vous montre le champ des possibles de ce que vous pouvez réaliser en entreprise. Je vous conseille la lecture, c'est très bien fait. Un panel de solutions de mobilité, je ne vais pas aller dans le détail, mais aujourd'hui, on a des mobilités partagées, on a le transport public qui reste la colonne vertébrale. Il faut vraiment pouvoir jongler et apprendre finalement à ses employés qu'on peut s'affranchir de la possession, en tout cas de l'utilisation de sa propre voiture, mais passer d'un mode de transport à l'autre, plus de fluidité et de flexibilité. Je terminerai mon exposé sur quelques perspectives pour vous avec des choses très très concrètes. Les programmes d'accompagnement. Vous ne pouvez pas relever le défi de la mobilité tout seul, ça tombe bien, il y a des acteurs qui vous aident. Il y a énormément de programmes qui existent, qui sont gratuits ou très très peu chers et que vous allez retrouver sur toutes les régions. On a le programme national Bike to Work, on a le programme Bike Experience en région bruxelloise, on a Tous Vélo Actif en Wallonie, on a des initiatives comme dans le Brabant flamand de FietsTest ou de Slim naar Antwerpen en Anvers, etc. Il y a beaucoup de programmes. Je vous invite à les découvrir parce que vous verrez que vous serez accompagné par des professionnels avec beaucoup de choses très très opérationnelles à mettre dans vos mains. Et puis je vous parlerai un petit instant de notre laboratoire Maestro Mobile qui est un laboratoire d'expérimentation qui permet aux entreprises de tester, en fait, de permettre à leurs employés de tester la mobilité. C'est par le jeu, c'est par une approche ludique qu'on apprend aux enfants la grammaire, mais la mobilité c'est la même chose, il faut arrêter de nous bâcher avec la mobilité, c'est compliqué et je vais te bloquer. Non, il faut en faire un jeu, c'est gai de rouler à vélo, c'est gai de prendre le transport public et de pouvoir rester en communication avec ses proches. On peut en faire un jeu tous ensemble et on a différents dispositifs du jeu urbain d'une après-midi, Mobility Passport, un coaching de 3 semaines, Critical Mass, vraiment un coaching spécialisé. Et on a d'autres dispositifs que vous pourrez découvrir sur notre site. Je terminerai par ceci. Vous cherchez une toolbox, mais sachez que nous, on a une toolbox tout à fait gratuite. Vous cliquez toolbox.maestromobile.eu. Vous allez retrouver tout ce qui existe en matière de mobilité pour planifier ses déplacements, les différentes offres de mobilité partagée, mais aussi les dispositifs d'accompagnement que je viens de mentionner. Je reste à votre disposition dans le futur pour vous aider pour cela. Je remercie les organisateurs et je vous souhaite une bonne fin de semaine. Merci beaucoup, Xavier Takoun, pour votre intervention. Je vous rappelle que vous êtes en live, vous, derrière votre écran, et qu'à tout moment, vous pouvez poser vos questions ou simplement réagir avec nous, puisque votre avis nous intéresse. Est-ce que vous avez une réaction ou des questions, peut-être, par rapport à ce qui vient d'être dit? Je vous voyais noter. Je me permets de... Non? Non, simplement qu'on a en effet observé tout ce que Xavier a dit, on l'a observé au quotidien dans nos entreprises avec lesquelles on travaille, etc. Et c'est tout à fait juste et tout à fait vrai. D'accord. Je pensais que c'était une présentation particulièrement intéressante parce qu'elle nous donne un aperçu de l'état de la situation, quelles sont les observations, quel est l'impact aussi du COVID-19. Et je pense que le moment et l'instant est venu pour donc effectivement parler de cela dans le cadre de CSR, mais également dans d'autres politiques aussi, de mettre en œuvre des mesures. Le moment est venu de faire cette transition, je pense. Sinon, c'est vrai qu'au niveau de Bruxelles, là, quand on parlait de l'heure de pointe et que le trafic revient, donc, grâce aux caméras LES donc de la low emission zone, on a effectivement pu suivre un peu comment a évolué ce trafic et on a eu effectivement un fort pic, lors de la période Covid. Et maintenant, on constate effectivement qu'avec la rentrée, on commence à retourner vers un taux de trafic qui se rapproche du taux de trafic qu'on a eu les journées avant le Covid. Et avec ce qu'on constate aussi, une forte part pour l'instant des Bruxellois en pourcentage. Mais c'est un pourcentage en Suisse absolue. On reste sur une valeur où les Bruxellois continuent à être un peu sur le même nombre de Bruxellois qui utilisent la voiture. Mais voilà. Et pourtant, des gens devraient moins se déplacer vers le travail. Donc, on pense qu'il y a aussi un usage de la part des Bruxellois qui va maintenant sur des petits déplacements en cours de journée et qu'on constate là. Merci beaucoup.
que toujours pas de réaction. Et dans ce cas, je vous propose à présent de découvrir comment une organisation EMAS s'est engagée dans des actions de mobilité. La SPF Mobilité et Transport est enregistrée EMAS depuis 2008. Il est bien entendu particulièrement sensibilisé aux enjeux de mobilité dans le cadre de ses missions. Mais aujourd'hui, surtout, les actions entreprises en interne qui seront détaillées dans le cadre de la mise en œuvre de leur système de gestion environnementale EMAS. Je cède donc la parole à Cindy Dequesne, coordinatrice environnement et développement durable au SPF Mobilité et Transport. Bonjour, Cindy Dequesne. Je travaille pour le SPF Mobilité et Transport et je coordonne les projets de développement durable du SPF. Je suis aussi la représentante du système de management environnemental EMAS depuis quelques années déjà, puisque, comme on l'a dit, le SPF est déjà dans son cinquième cycle EMAS. Donc, ma courte présentation va s'articuler autour de, tout d'abord, une présentation de notre mission statement, quelques chiffres, l'engagement du SPF et finalement nos bonnes pratiques. Au niveau du mission statement, je pense que c'est très très important pour nous, pour moi, de vous situer un peu la manière dont notre SPF est géré, et parce que ça a un gros impact sur le système de management environnemental. Je vois beaucoup d'entreprises enregistrées EMAS qui parfois peinent à avoir le soutien du personnel ou de la direction. Et chez nous, on sent vraiment, au travers de l'administration, de la manière de gérer, que le système EMAS est bien acquis. Oui. Alors, le premier point, c'est la politique. Donc ça, c'est dans nos missions même, le job principal du SPF Mobilité. Donc c'est la préparation, la mise en œuvre et le soutien de la politique de mobilité. Et tout ça se fait en concertation avec nos partenaires, tant à l'échelon régional, fédéral, mais aussi international. On développe aussi une grande expertise au sein du SPF. Donc il est important pour nous d'être un point de référence en Belgique en matière de conseil et d'information sur la mobilité. Plusieurs services dans nos directions générales analysent les tendances de mobilité et on stimule particulièrement l'innovation. On a aussi un point d'ordre à garder un juste équilibre entre le développement économique, la sécurité, l'environnement, les intérêts sociaux et l'intégration des différents modes de transport. Donc en fait, quand on regarde les différents points qui sont abordés ici, c'est un peu comme une définition d'un développement durable un peu plus élargi, où on retrouve de l'économique, du social et de l'environnement. Au niveau du service, donc on est un SPF assez jeune dans sa manière de fonctionner. Donc avec, on tient un service convivial efficace et on réalise très souvent, surtout ces dernières années, des stakeholders dialogue pour prendre en compte les besoins des citoyens, des entreprises, de l'intérêt général. Donc ça, je rappelle, mais je pense que la plupart des personnes qui sont en train d'écouter ici savent que l'attente des parties intéressées est un point très important du système de management environnemental. Le dernier point important, c'est la manière dont on fonctionne au SPF. Donc, on n'est plus dans un ministère à l'ancienne. Ici, on travaille vraiment dans un mode de confiance, on coopère, chacun est responsabilisé et on a un service très orienté client. Alors, quelques chiffres. On est un peu plus de 1000 collaborateurs. Il y a une bonne répartition au niveau francophone, néerlandophone. Pareil, femmes, hommes, 48-52%. Et au niveau des moyennes d'âge, ben voilà, on reste quand même avec 55% de plus de 45 ans. L'engagement, donc là, je vais prendre une citation. Donc, l'exemplarité est le moyen le plus efficace d'établir sa crédibilité. Pourquoi je l'ai choisi? C'est parce que pour nous, notre engagement principal, c'est promouvoir la mobilité durable pour atteindre les objectifs 2030-2050 au niveau des émissions. Et donc, c'est bien d'expliquer et de mettre des règles en place pour atteindre ces objectifs. Mais ce qui est le plus important, c'est de mettre ces règles en place pour nous-mêmes et pour notre mode de fonctionnement dans l'administration. Donc ici, je fais le lien avec les bonnes pratiques de mobilité. Mais j'en profite aussi pour dire, parce que j'ai écouté un petit peu les présentations juste avant, notre SPF est enregistré EMAS depuis donc quelques années. On a intégré nos missions dans l'analyse de nos impacts environnementaux, puisque la mobilité, ça peut avoir un très gros impact, bien sûr, sur l'environnement. Mais ici, je me suis plutôt centrée sur les bonnes pratiques en lien avec la mobilité de notre personnel.
Mais donc, comme toute organisation enregistrée EMAS, vous pouvez consulter notre déclaration environnementale avec tout ce qui est fait en matière de mission par rapport à EMAS. Alors, la première bonne pratique, c'est la base, c'est la localisation du bâtiment. Donc, notre bâtiment est situé à 100 mètres de la gare du Nord et à peu près à 100 mètres du métro Rogier. Donc, ça encourage fortement nos visiteurs et les membres du personnel à se déplacer en transport en commun. Il y a quelques années, nous avons restructuré les bâtiments. On a fermé deux sites qui étaient moins bien situés et on a rassemblé tout le monde dans ce bâtiment le mieux situé. On peut voir sur la présentation, enfin le schéma, que c'est payant vu que 80% de notre personnel se déplace en transport en commun. Il reste une dizaine de pourcents de personnes qui se déplacent en voiture. Principalement, ce sont des personnes qui ont des horaires décalés ou viennent assez souvent de Bruxelles et qui appliquent le schéma habituel de « je dépose mes enfants à l'école et je viens travailler ». Voilà. Alors, au niveau d'une autre bonne pratique, c'est les déplacements à l'étranger. Donc, le SPF Mobilité et Transport a évidemment beaucoup de réunions internationales. Et donc, on a décidé, il y a quelques années, ça s'est encore plus renforcé avec le Covid actuellement, et l'évolution des technologies nous le permettant, que d'abord, est-ce que le voyage est nécessaire? Est-ce que la réunion ne peut pas se faire en vidéoconférence? S'il n'est pas nécessaire, la priorité est toujours au train. Donc, il faut justifier le fait de se déplacer autrement qu'en train. Et en dernier recours, c'est l'avion qui sera choisi. Pour les déplacements en Belgique, c'est toujours la priorité au train. Dans certains cas, on peut utiliser un véhicule de service. Donc, la justification, c'est des zones qui seraient un peu plus difficiles d'accès. Ou, par exemple, le service communication qui se déplace pour un événement et qui doit transporter du matériel. On met aussi à disposition des vélos électriques et des trottinettes électriques. On a un très grand parking vélo dans le garage avec un kit de réparation mis à disposition. Donc, le parking vélo fait 76 places. Il a été augmenté en 2018 avec le dernier plan de déplacement d'entreprise. On a un parking pour le covoiturage, 2 places. On a un parking vélo pliant dans le hall d'entrée, donc surtout pour les visiteurs, mais aussi nos membres du personnel. Mais le membre du personnel vient le plus souvent avec des vélos électriques ou des vélos normaux. Je n'ai pas dit, mais pour le vélo, ce qui est important, je pense, pour les personnes qui viennent à vélo, c'est d'avoir un parking sécurisé. Donc le parking est à l'intérieur du bâtiment, il faut passer devant les barrières de sécurité pour rejoindre ce parking. On a aussi des douches prévues, donc toute l'infrastructure nécessaire, un séchoir pour les vêtements, des casiers. Enfin, tout est vraiment mis en place pour que les gens n'aient aucune excuse pour se déplacer en vélo pour venir travailler. On a un petit parking voiture, parce que je disais, on a 76 places pour les vélos et on a 84 places pour les voitures. Et la moitié de ces places est déjà occupée par les véhicules de service. Donc clairement, on n'encourage pas les membres du personnel ou même les visiteurs à se déplacer en voiture. Au niveau de ce qui nous aide aussi dans notre politique de mobilité, c'est la manière dont on travaille au SPF. Donc le télétravail, on en parlait tout à l'heure, est vraiment très très développé chez nous, même avant le Covid, ça fait déjà quelques années. Donc 1 à 2 jours par semaine, soit télétravail régulier, soit aussi des jours flexibles sont possibles. On a ce qu'on appelle les bureaux satellites. Donc, pour ceux qui ne sont pas dans les administrations, c'est des bureaux à différents endroits de la Belgique où on peut aller travailler. Pour les personnes qui n'aiment pas travailler de chez eux, mais qui ne veulent pas perdre du temps dans des trajets en voiture, ils vont se rapprocher et ils vont dans un bureau satellite. On a aussi supprimé la possibilité, ce n'est pas une obligation, de supprimer le pointage pour les personnes qui le veulent. Et donc, ils ont alors des horaires flexibles, ce qui permet d'éviter les heures de pointe. Donc, j'ai dit qu'on avait acheté des trottinettes, des vélos électriques. Et donc, à côté de ça, on a pensé qu'il était très important de former le personnel à l'utilisation des différents outils que l'on met à leur disposition. Donc, on a proposé une formation à l'éco-conduite. Ça, c'est pour les personnes qui utilisent nos voitures de service. On a fait une formation rouler à vélo en ville, parce que ça, c'est quand on a essayé de travailler sur les personnes qui habitent Bruxelles, par exemple, et qui pourraient venir à vélo et qui finalement viennent en voiture. Donc, on a fait du coaching avec une société externe,
Puis on a développé du coaching avec des membres du personnel qui se déplacent en vélo. Et on a aussi organisé des balades en vélo électrique, parce qu'il fallait, pour apprendre un peu, j'ai essayé moi-même, et c'est vrai qu'il faut... Enfin, voilà, on ne passe pas d'un vélo normal à un vélo électrique comme ça la première fois, mais j'ai appris et c'était très agréable. On a organisé une formation conduite de trottinette électrique, parce que là aussi, on a acheté donc les différents outils et il fallait que le personnel sache comment les utiliser en toute sécurité. On organise chaque année un petit déjeuner pour les cyclistes. C'est, je pense, le 4 juin, la journée pour les vélos, la journée vélo. Et on organise aussi un vélo challenge chaque année. Donc ça, c'est parce qu'on a, il nous reste quand même quelques antennes dans les régions. Et donc on veut que chacun puisse s'intégrer à nos actions en matière de mobilité douce, active. Et donc ils se prennent en photo en allant travailler à vélo avec leurs collègues, etc. Et ils recevaient aussi un petit déjeuner. Au niveau de la flotte, donc on a 39 véhicules alternatifs, 30 hybrides et 9 CNG. Il nous reste 75 véhicules essence, 40 diesel Euro 5, et on vient, là, il y a une ou deux semaines, d'acheter un scooter électrique qui est très utile pour tout ce qui est déposer encore certains courriers rapidement au cabinet, des choses comme ça. Alors, depuis l'introduction de la zone LES, on peut dire merci, en 2019, 41 diesel Euro 4 ont été remplacés, et en 2020, 40 diesel Euro 5 vont aussi ou sont remplacés ou en cours de l'être. On peut voir ainsi le verdissement progressif de la flotte. Donc on est passé d'un éco-score moyen de 55 en 2014 et maintenant on atteint petit à petit 72. Donc plus l'éco-score est élevé, plus les véhicules sont intéressants au niveau des émissions. Voilà, je voulais vous remercier pour m'avoir écouté et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci Cindy Dequen pour votre intervention. Vous aussi, n'hésitez pas, si des actions sont mises en place en interne, partagez-les via le chat. Voilà, you can alltate on the chat till name. Vous pouvez toujours participer à notre chat, votre avis est important. Si je peux réagir, je crois que c'est le bon moment. Peut-être Cindy, si tu pouvais juste repréciser le contexte de la zone LES à Bruxelles, parce qu'on a des orateurs flamands et des orateurs wallons des auditeurs wallons et flamands qui ne sont peut-être pas familiers. C'est donc la zone basse émission, et donc ça a été mis en place il y a 2 ans, je pense. Et donc le but c'est de rendre les véhicules qui rentrent dans Bruxelles, de classifier les véhicules qui rentrent dans Bruxelles, et ceux qui émettent plus qu'une certaine quantité de polluants ne peuvent plus rentrer dans Bruxelles. C'est progressif, donc les règles, je sais par exemple que mon véhicule essence pourrait ne plus rentrer à Bruxelles dans quelques années, mais la plupart des diesels, des vieux diesels en tout cas, ne doivent plus rentrer dans Bruxelles. Il y a aussi Gand, je pense, comme zone basse émission. Ouais. Alors, on a une question d'Aurélie. Alors, merci pour cette présentation. Pourriez-vous me dire si vous utilisez des incitants financiers pour encourager vos collaborateurs à se déplacer autrement qu'en voiture, en autosolisme ? Alors non, parce que nous sommes une administration publique. Donc déjà, tous les membres de notre SPF reçoivent un abonnement au train, au transport en commun. Enfin, donc ils ont le full package abonnement au niveau transport en commun. Et donc, on a quand même très peu dans le pourcentage de personnes qui viennent encore en voiture. Donc, on n'a pas d'avantage particulier en plus de cet abonnement gratuit fourni à chaque collaborateur. OK, merci beaucoup. Merci. Peut-être une intervention. Je croyais que c'était une présentation très intéressante. Ce que j'ai apprécié aussi, c'est le fait que l'on a mis l'accent sur la micro-mobilité, mais aussi la formation. Est-ce que vous avez des chiffres concernant le nombre du personnel, nombre de membres de personnel, qui n'utilisaient pas la micro-mobilité, et puis la comparaison par rapport à après. Est-ce qu'il y a eu une augmentation au niveau du nombre de travailleurs ayant fait ce chiffre de la voiture à la bicyclette? On a un service qui gère et qui coordonne tous les
tout ce qui est mobilité. Je sais que ce qui est pour les trottinettes et les vélos pour les déplacements de service, ils sont très très utilisés, notamment on a Belliris dans nos bâtiments et ils se déplacent beaucoup en vélo pour rejoindre leur chantier dans Bruxelles. Et les trottinettes, moi j'avais essayé les trottinettes, bon j'étais pas très douée, mais j'ai quand même regardé un peu l'utilisation chez les autres, et en fait elles sont presque toujours occupées et utilisées par les collaborateurs, donc elles partent vraiment beaucoup, et donc ça on a des statistiques en interne, et je peux les fournir, voilà, je peux les fournir après la présentation. Si. En ce qui concerne les trottinettes, j'apprécie grandement que vous ayez formé les personnes à l'usage de ce mode de déplacement. Parce qu'à Bruxelles Environnement, quand on a eu un déménagement, on a eu un usage de trottinettes qui n'était pas encore électrique. Et on a eu plusieurs accidents de travail liés à l'usage de ce mode de déplacement, parce que c'est des petits trous. Et on constate aussi qu'on a des pics d'accidents. Et donc la formation est importante, quoi, et vraiment continuer en tout cas à former. Personnellement, moi j'encouragerais plus l'usage des vélos parce que je sais qu'il y a une activité physique réelle derrière et je trouve que c'est indispensable dans une société où on a tendance à se sédentariser, de bouger un peu, et surtout qu'avec le télétravail on encore se sédentariser plus, et donc pousser plutôt vers le vélo que les trottinettes, même si les trottinettes sont vraiment un complément qui est intéressant dans les entreprises. Merci. Voilà. Je voulais juste compléter. Donc, lorsqu'on a fait le plan d'acheter les trottinettes électriques, on en a d'abord parlé avec notre conseiller en prévention. Et donc, lui nous a donné son accord pour en acheter sous certaines restrictions. Et notamment, on était tombé d'accord pour dire qu'il fallait former les gens à les utiliser. Alors, question un peu piquante de la part d'Esther. Qu'en est-il du management de services publics qui n'a pas besoin d'un véhicule attitré pour sa fonction, mais qui ont le droit? Est-ce qu'on montre le bon exemple dans le SPF Mobilité? Alors, au niveau du SPF Mobilité, il n'y a des véhicules de fonction que pour les membres du comité de direction. Donc, aucune autre personne du management n'a un véhicule de fonction. Et ce sont des véhicules qui respectent la circulaire d'achat des véhicules fédéraux et des petits véhicules, pas des véhicules... c'est des véhicules pour utiles et de taille réduite et qui respectent un éco-score élevé. Alors, de la part d'Esther toujours, les véhicules hybrides de mon organisation s'avèrent les plus polluants parce qu'ils sont grands et très lourds. Est-ce que c'est aussi votre cas ? Non, ce sont tous des petits véhicules et on a formé les gens à les utiliser puisque déjà on les donne à des personnes qui roulent, pas sur autoroute par exemple, qui roulent plutôt sur des petits trajets pour utiliser la partie électrique plutôt que la partie non électrique. Et on les a formés à les utiliser. On a juste constaté ces dernières années que grâce à EMAS notamment, que la consommation est légèrement en train d'augmenter des véhicules hybrides. Donc on va prévoir une nouvelle formation et sensibilisation. Mais je ne peux pas dire les modèles quand même, mais ce sont des petits modèles. Question d'Aurélie. Avez-vous aussi une offre d'accompagnement de vos nouveaux collaborateurs pour les aider à trouver la meilleure solution de mobilité alternative à la voiture ? En fait, on a mis en place depuis 2 ans une formation de base, d'introduction pour les nouveaux collaborateurs, où je leur explique ce qu'est le développement durable, ce qu'est la mobilité durable. Et ils ont un grand parcours d'intégration où on leur explique les différentes possibilités de mobilité au SPF. Mais la priorité chez nous, c'est vraiment de leur dire, vous avez accès à l'abonnement en transport en commun, et on met vraiment l'accent sur ça, l'abonnement en transport en commun. Et moi, de mon côté, lors de la présentation au nouveau, on appelle ça la présentation au nouveau, je dis bien, voilà les impacts de se déplacer et en voiture et... quels sont les engagements? Je rappelle les engagements de notre SPF. Très bien. Donc, nous rejoignons à présent notre table ronde d'experts régionaux. Ils ont répondu présents pour présenter les outils concrets disponibles dans chaque région pour les organisations qui souhaitent agir en matière de mobilité. Donc, je vous prie d'accueillir Xavier Neuens, Colette Pierrard et Wouter Florizon. Voilà.
des petites questions un peu plus générales en attendant l'intervention des spectateurs. Donc, d'après vous, quelles sont les leçons à tirer de la crise Covid en matière de mobilité? Quelles pratiques adoptées par les entreprises au cœur de la crise sont susceptibles de perdurer dans l'après-crise? Je vais commencer par Bruxelles. Donc les leçons qui a tiré, des leçons qui m'a marqué, c'est que finalement, les entreprises se sont adaptées très vite. Donc là, on l'a vu dans la présentation de Xavier Yacoun, il dit qu'on a gagné 10 ans. Et on a aussi remarqué que quand il a fallu mettre en place ce télétravail, les entreprises se sont adaptées très vite et ont pu agir. Et donc, un des outils qui va perdurer, en tout cas, on le sent, c'est le télétravail qui va perdurer, qui commence à se mettre vraiment en place dans pas mal d'entreprises. On a des tâtonnements aussi. On constate aussi que la perception du télétravail a beaucoup évolué. Donc, par exemple, au sein de Bruxelles Environnement, on a eu une enquête qui a été faite et au niveau hiérarchique, en fait, qui freinait plutôt la mise en place. On s'est retrouvé qu'en début d'enquête, je ne tiens plus les chiffres par cœur, mais en tout cas avec un certain nombre de chefs qui disaient le télétravail, j'en avais une mauvaise perception. Et au final, il n'y a plus qu'une personne au sein de l'institution au niveau hiérarchique qui a une mauvaise perception du télétravail. Donc c'est vraiment travailler là-dessus. Et un des points qu'il faudra quand même surveiller, c'est qu'avec cette généralisation du télétravail, il y a une perte de sociabilisation. Et ça, on le voit. Moi, j'ai des collègues que je n'ai plus vus depuis des mois. Et quand je les entends, j'ai du mal à me rappeler à quoi ils ressemblent. Donc le télétravail, c'est bien, mais il faut garder aussi la sociabilisation et aussi trouver une astuce pour faire revenir les personnes au bureau pour recréer ça. Voilà. Peut-être Colette Pierrard de la cellule mobilité de l'Union Wallonne des entreprises. Oui, alors nous on a observé exactement la même chose. L'Union Wallonne des entreprises au mois de juin a fait une enquête avec SD Works auprès de 222 entreprises de Wallonie pour voir un petit peu ce qu'elles en pensaient au niveau du télétravail. Et si 50% des entreprises disaient pratiquer déjà le télétravail avant la crise, quand l'enquête a été faite, c'était au mois de juin, il y avait 90% des entreprises qui ont dit vouloir continuer la mise en place du télétravail. Maintenant, cette mise en place du télétravail, c'est aussi pas dans l'acceptation qu'on a vue pendant le Covid. C'est pas du télétravail à temps plein. C'est un télétravail un jour ou deux jours par semaine, bien encadré aussi, parce que on a constaté aussi qu'il y avait un certain nombre de personnes qui avaient du mal à travailler chez elles parce qu'elles n'étaient pas équipées, parce que c'était plus inconfortable. Donc le télétravail, oui, dans de bonnes conditions, qui n'est peut-être pas obligatoire non plus pour tout le monde, parce qu'il y a certains travailleurs pour qui ça ne plaît pas. Mais d'une manière générale, il y a plus de, je crois, 6 travailleurs sur 10 qui sont prêts à faire du télétravail autant, si pas plus, que les 1 jour, 2 jours qui sont recommandés. Donc ça, le télétravail, c'est vraiment le grand gagnant de la crise du Covid en matière de non-mobilité. C'est de la mobilité, c'est de la non-mobilité. Et l'autre grand gagnant qu'on a pu voir, évidemment, c'était le vélo, parce que l'élément important, c'est que les routes étaient vides, et donc ça a permis à plein de gens qui avaient des craintes par rapport à rouler à vélo dans le trafic, de pouvoir prendre un vélo avec plus de sécurité, parce que les routes étaient vides. Et puis, l'autre aspect qui a joué en la faveur du vélo, c'est que pendant tout ce printemps et tout l'été, il a fait très beau. Et donc, voilà. Mais je pense aussi, là, ce sont des réflexions qu'on a eues dernièrement dans des entreprises, c'est que plus de gens nous ont dit qu'ils allaient faire du vélo parce que, en combinant le télétravail et le vélo, on se dit on ne va pas aller tous les jours à vélo ou c'est quelque chose qui est un peu lourd, etc. Mais le fait de dire je suis 2 jours en télétravail, je ne bouge pas, je ne fais pas d'activité, eh bien les 1 jour, 2 jours ou 3 jours éventuellement où je vais aller travailler, je vais prendre mon vélo au moins une fois pour pouvoir faire une activité physique. Il faut savoir aussi qu'il y a pas mal d'activités physiques qui n'ont pas repris non plus. Qu'il y a beaucoup de gens qui, avant, allaient dans des salles de sport, qui ne retournent pas encore dans les salles de sport. Et le vélo permet justement de faire tout ça. Et là, c'est aussi un bon moment pour repasser à une mobilité plus active. Quelles sont les leçons qui peuvent être prises dans le cadre de la mobilité, à ton avis, sur la base de la crise corona?
Eh bien, cela ne vous étonnerait certainement pas que j'ai fait la même constatation en Flandre et également à Bruxelles et en Wallonie, hein, parce que les chiffres sont bien entendu similaires. Les employeurs ont fait une enquête auprès de leurs travailleurs. Avant la crise corona, les chiffres étaient de 60%, hein, donc 60% des travailleurs voulaient faire du télétravail. Maintenant, il s'agit de 90%, donc ces chiffres correspondent. Le vélo aussi, bien entendu, c'est le game changer. Et ce n'est pas uniquement le vélo normal, mais également l'e-bike, hein, comme vous le savez sans doute. Et c'est ce que nous avons vu d'ailleurs aussi, hein, le réseau de bicyclettes, de vélos à Bruxelles, mais également dans la périphérie. Pour 15-20 km, les personnes ont envie de prendre donc un speed pedelec. Et donc, en effet, c'est tout à fait possible. Et ces personnes se rendent donc à vélo au travail. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire ma collègue, parce que travailler pendant 5 jours à la maison, ce n'est pas gai. Vous êtes tout le temps dans votre contexte domestique. Vous devez partager, bien sûr, votre maison avec d'autres personnes. Et donc, il est bon, effectivement, de retourner au travail, au bureau, au moins 2 à 3 fois par semaine pour avoir un contact avec les collègues. Et faites-le à vélo parce que c'est mieux pour votre santé. Et bien entendu, vous pouvez vous détendre et réfléchir, par exemple, à toute une série de questions. Et puis peut-être encore 2 ou 3 éléments pour compléter l'histoire. Ce que nous avons également vu, c'est que les entreprises avec beaucoup d'emplacements ont également commencé à réfléchir à ces emplacements. Soit elles vont arrêter effectivement le leasing, soit elles vont s'organiser autrement. Et ces entreprises ont donc comprimé le nombre d'emplacements. Et un autre effet que nous avons également constaté, c'est qu'en Flandre, où le principe de ces bureaux paysagers, donc en fait, ce n'est plus du tout ce que nous souhaitons. Il nous faut donc effectivement des écrans, des cloisons. En fait, on veut en faire des bureaux qui sont plus petits, mais qui sont quand même, qui permettent aux travailleurs de s'isoler. Il y a des espaces de rencontre qui sont donc créés à la place de cela. Et donc là, effectivement, on peut se rencontrer, on peut avoir un contact, il y a une machine à café, etc. Et on peut donc partager certaines expériences. C'est ce que nous avons constaté. C'est que le vélo, si on veut en faire la promotion, il faut aussi que les entreprises investissent dans des parkings sécurisés, comme vous parliez tout à l'heure. Et ça, c'est un élément important. Si on veut que le mouvement vers le vélo perdure, il faut absolument que les entreprises réfléchissent et investissent dans des parkings vélos sécurisés, surtout avec les vélos électriques ou les speed pedelec, qui sont des vélos qui coûtent relativement cher. Et à partir du moment où quelqu'un va venir travailler à vélo régulièrement, il va prendre de plus en plus de plaisir et il va aussi investir dans des vélos, que ce soit vélo électrique ou non, mais de qualité. Et donc, ces vélos de qualité coûtent cher. Et il faut pouvoir proposer un endroit sécurisé pour pouvoir les mettre. Mm-hmm. Ça, c'est important pour, à travailler, en tout cas dans les entreprises, et à en tenir compte. Wij hebben bepaalde reacties, een paar reacties gehad. Nous avons également reçu un certain nombre de réactions en français, mais en néerlandais, vous pouvez également réagir. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Le boom du télétravail imposé par la pandémie de Covid doit permettre d'inventer et de mettre en pratique d'autres modes de travail avec plus de flexibilité, des espaces de coworking, des bureaux satellites à proximité de son domicile, etc., etc. Ça permet de réduire les déplacements, de les réaliser autrement, tout en maintenant le nécessaire lien social. Une réaction ? Dat klopt, hè. Dat is gewoon een bevestiging van wat hier ook wordt gezegd. En ik denk dat iedereen oui, en effet, c'est une confirmation de ce que nous venons de dire. Tout le monde est d'accord pour dire que le Covid a eu des effets positifs. En effet, dans le cadre de ce model shift vers des solutions plus durables, et nous devons les pérenniser, nous devons investir dans des douches, par exemple, etc. Au-delà pardon, de l'investissement dans des infrastructures, notamment pour les cyclistes, est-ce que vous pensez que les entreprises doivent aussi repenser en fait, leur lieu de travail pour prendre en compte le fait que la moitié des employés ne sont plus sur place en même temps? Est-ce qu'il y a vraiment une redéfinition des espaces de travail qui est nécessaire ou qui est souhaitable?
En tout cas, c'est ce qu'on a remarqué. C'est que maintenant, il y a des chefs d'entreprise qui se disent, voilà, j'ai un grand bureau et ce grand bureau, il est vide. Pas la plupart du temps, mais il est moins occupé. Maintenant, je pense que c'est un petit peu trop tôt pour pouvoir dire comment les choses vont évoluer, parce qu'on est encore dans la période où il y a la crise sanitaire et où on oblige les gens au télétravail. Après, le télétravail, il sera là, et les gens vont venir peut-être autrement, mais ils vont quand même revenir au bureau aussi. Je pense que c'est un peu tôt pour dire qu'on va balayer tout ça et on va redéfinir des zones et des espaces beaucoup plus petits, probablement, mais c'est un peu tôt, en tout cas pour le dire, je crois. Wat is volgens jou de grootste uitdaging voor Vlaanderen inzake mobiliteit? Selon vous, quel est le défi le plus important pour la Flandre dans le cadre de la mobilité et qu'est-ce que les entreprises peuvent faire? Eh bien, le défi le plus important avant la crise Corina, c'était certainement la problématique des embouteillages. C'est peut-être un petit peu différent maintenant, bien qu'il y a quand même aussi des travaux d'infrastructure et d'investissement qui ont été planifiés autour d'Anvers, le côté nord du ring bruxellois, etc. Donc, il s'agira bien entendu aussi de la logistique. Comment peut-on faire en sorte que les marchandises soient transportées d'un point A à un point B de façon facile, et je pense que pour de nombreuses entreprises, cela reste le défi. Comment peut-on, de manière efficace, faire en sorte que les produits, les travailleurs puissent être transportés? À mon avis, c'est le défi le plus important. Et comment est-ce que, ou que fait la Flandre? On fait un certain nombre de choses. Il y a des programmes qui ont été lancés dans le cadre de l'électrification. Vous avez le programme Clean Power for Transport, où les entreprises peuvent donc introduire un dossier. Et dans le dernier appel d'offres, il s'agissait avant tout de tout ce qui est infrastructure de cargaison. Donc, ça ne fait pas partie de l'espace public, mais de l'espace privé. Et il y a d'autres utilisateurs aussi qui peuvent en faire usage, bien sûr. Et cette infrastructure peut ou permet de finalement charger un camion rapidement, ou plutôt aussi tout ce qui est prévu en matière de chargement électrique aussi pour les véhicules électriques, etc. Il y a aussi des programmes de mobilité durable aussi. Cela demande aussi beaucoup d'efforts. Donc, je dirais que l'éventail est très large. Le principal en matière de mobilité, et qu'est-ce que les entreprises peuvent faire à ce niveau-là? L'enjeu principal, c'est en matière de mobilité, c'est qu'il y a quand même pas mal d'enjeux climat qu'il faut, sur lesquels il faut travailler. Pour les entreprises, c'est peut-être moins perceptible en Wallonie qu'à Bruxelles, mais c'est l'accessibilité est important. Et à partir du moment où on a des embouteillages, ça devient compliqué et ça coûte cher aux entreprises. Donc, il faut pouvoir aussi travailler par rapport à ça. Moi, je pense que les entreprises, comme tout un chacun, elles ont un rôle à jouer, c'est-à-dire qu'elles font venir des gens dans un endroit bien précis et elles ont donc une responsabilité par rapport à la mobilité et elles doivent agir par rapport à ça, comme tout un chacun doit réfléchir aussi à sa propre mobilité et à l'impact qu'il produit. Alors, les entreprises le font déjà depuis pas mal d'années, c'est pas nouveau qu'elles réfléchissent à leur mobilité. Mais c'est, je dirais, la démarche est différente. Au départ, une entreprise qui réfléchissait à sa mobilité le faisait parce qu'elle était confrontée à un problème. Mon parking est surpeuplé, j'arrive plus ça devient très compliqué pour mes travailleurs de se garer. Ou mon entreprise va déménager et il faut que je réfléchisse un petit peu à la situation où j'ai déménagé et je me rends compte que ça ne va plus. Ça, c'était au départ, quand la cellule mobilité de l'Union Wallonne a commencé à fonctionner, c'était surtout dans ce cas de figure qu'on nous interpellait. Et puis aujourd'hui, on nous interpelle parce qu'il y a pas mal d'entreprises qui se sont engagées dans des politiques environnementales, qui ont décidé de réduire leur bilan carbone. Et un des exemples que je peux vous donner, c'est qu'il n'y a pas très longtemps, cet été, on a fait un bilan mobilité pour une entreprise qui souhaitait avoir la certification EMAS.
Dans ce contexte-là, elle avait dû réfléchir à sa mobilité et c'est à ce moment-là qu'elle s'est rendue compte qu'il y avait des choses à faire et qu'elle pouvait être accompagnée. Les marches pour le climat l'année passée ont beaucoup mobilisé les entreprises, plutôt dans une démarche de bottom-up, c'est-à-dire que c'était des groupes au sein des entreprises, des travailleurs qui formaient des groupes mobilité durable et qui, du coup, ont proposé ça à leur direction et les directions ont embrayé. Et puis, il y a quelque chose maintenant de tout à fait nouveau. C'est que on a des entreprises qui doivent recruter de jeunes ingénieurs, la nouvelle génération, souvent aussi dans des postes, par exemple, liés à l'environnement. Et quand on leur propose une voiture de société, ça ne les intéresse pas. Et ils vont voir ailleurs. Et donc, il y a des entreprises qui nous ont dit, on va réfléchir à notre mobilité parce que c'est aussi un critère de recrutement. Et enfin, l'autre élément, c'est le fleet management avec donc toutes les voitures de société où maintenant on réfléchit plutôt à des bilans, à des budgets cafétéria, des budgets mobilité et où il faut offrir autre chose. Et voilà la raison pour laquelle maintenant les entreprises aussi se tournent vers nous et réfléchissent à leur mobilité. Oui, alors au niveau de la région Bruxelles-Capitale, donc je crois un des grands enjeux, c'est la mise en place du plan Good Move. Donc on a vu le slide qui nous a montré donc Xavier Takoun, ce slide de l'occupation de l'espace. Et tout d'un coup, les trottoirs deviennent, après Covid, surpeuplés. Il n'y a plus de place pour les vélos. Il y a encore toujours une personne seule dans la voiture. Et à Bruxelles, on sait que depuis des années, on a donné trop de place à la voiture. Et donc Good Move, normalement, donc c'est le grand plan régional qui va redistribuer un peu l'espace à Bruxelles pour projet de regagner de l'espace pour justement favoriser les modes actifs, donc les déplacements à pied et les déplacements donc à vélo. Et donc ça, c'est vraiment le grand défi, je pense, de Bruxelles, c'est de lancer ça. En tout cas, pour ce qui est des entreprises, je pense que tout a été dit par la région Wallonne ici. Et donc là, il y a vraiment quelque chose, les entreprises doivent prendre leurs responsabilités sociétale et jouer le jeu aujourd'hui. Et donc on voit aussi que Bruxelles ici n'a pas attendu aussi quand il y a eu la reprise du confinement, on a quand même décidé de déjà récupérer de l'espace de façon temporaire qui espérons deviendront définitives. On a créé des pistes cyclables dans l'urgence et ça c'est donc Bruxelles Mobilité qui a fait ça et c'est une bonne chose quoi, parce que ça permet de voir qu'effectivement ça fonctionne et ça roule sur ces pistes cyclables. Et la rue de la Loi pour l'instant fonctionne comme elle fonctionnait avant et n'est pas embouteillée à outrance. Voilà. Donc on se rend quand même compte que la crise Covid, ça a réellement été une opportunité à la fois pour les entreprises et aussi pour les régions. Et ça prouve par A plus B finalement qu'une réaction rapide n'est pas du tout impossible, même pour le tout un chacun qui a dû s'adapter à d'autres manières de travailler, de rejoindre son lieu de travail. Je rebondis du coup sur la question pour vous demander quel programme existe au niveau de la région wallonne flamande bruxelloise pour aider les entreprises à promouvoir une mobilité douce et à se doter d'une politique ambitieuse de mobilité. Bon alors, au niveau de la région, on a quand même on a des programmes qui existent, mais on a surtout des obligations aussi. Donc pour les entreprises, en région Bruxelles-Capitale, toutes les entreprises qui ont plus de 100 travailleurs sur un même site sont dans l'obligation de réaliser un plan de déplacement d'entreprise. Et ce plan de déplacement d'entreprise va se diviser en deux phases. Donc il y a un diagnostic qui doit être fait. Et ensuite, sur base de diagnostic, l'entreprise va devoir réaliser un plan d'action et dans lequel elle va devoir mettre en œuvre 8 mesures obligatoires. Je ne vais pas toutes les citer, mais par exemple, on a quand même le parking vélo. Et là, on a une attention assez particulière sur la qualité des parkings vélos, parce que, comme on l'a dit, il faut que quand on veut faire la promotion du vélo, il faut que l'infrastructure soit là pour accueillir les cyclistes. Sinon, on a aussi d'autres obligations qui sont le COBRAS, qui oblige les entreprises qui ont trop de stationnement, parce que Bruxelles on a bâti à Bruxelles des bureaux à une époque où il n'y avait pas de limitation de stationnement. Et au cœur ici de Bruxelles, on a encore des bureaux où il y a 1000 places et qui, si ces bureaux avaient été construits aujourd'hui, il n'y aurait que 240 places. Et c'était des permis d'urbanisme qui ont été donnés à vie. Et mais via une nouvelle législation, on force les entreprises à diminuer ça, à revenir au seuil auquel elle serait aujourd'hui soumise. Donc une entreprise qui a 1000 places devrait se retrouver peut-être avec 240 places. Et c'est tout aussi un enjeu qu'elle a, parce que les entreprises se retrouvent avec
des diminutions de places de stationnement. On voit bien que les places qui existent pourraient être récupérées pour faire du stationnement vélo, pour faire soit du stockage. Il y a des idées qui passent aussi sur des plateformes de logistique. Et sinon, au niveau des outils qu'on donne en dehors des obligations, la région Bruxelles-Capitale encourage en tout cas toutes les entreprises soumises à plan de déplacement d'entreprise via des formations de mobility manager. Donc on forme sur 6 jours les mobility managers. On a The Bike Project qui s'adresse aussi à toutes ces entreprises soumises à PDE où on met des experts au sein d'entreprises et qui font en fait un accompagnement sur 9 mois pour faire passer le switch du vélo. On a aussi un nouveau projet qui vient d'être lancé, c'est Brucker Go Bike, qui est un projet qui cible à promouvoir le vélo cargo au sein de la région, tant pour les particuliers que pour les entreprises. Parce qu'on constate aussi qu'il y a pas mal d'entreprises qui roulent encore avec des camionnettes pour faire des trajets qui pourraient être faits en vélo cargo. Et souvent, ces camionnettes sont bloquées dans le trafic, alors qu'un vélo cargo lui suffirait très bien et la personne qui sera en charge de ça ferait sa tournée en une matinée au lieu de la faire en une journée. Et donc voilà un peu tous les outils qu'on a quoi, et qui sont disponibles aussi sur notre site internet. Voilà. Moi, pour la région Wallonne, ce que je peux dire, c'est que la cellule mobilité dans laquelle je travaille est un outil de la région Wallonne pour la mobilité des entreprises. Nous sommes entièrement financés par la région Wallonne, donc tous les services que nous rendons aux entreprises sont entièrement gratuits de ce fait-là. Et ce qu'on fait, c'est vraiment proposer aux entreprises de faire un diagnostic de leur situation en matière de mobilité. On vient maintenant, parce que l'idée nous est venue pendant la crise du Covid, on a réalisé un tableau de bord qui est un tout nouvel outil. Les entreprises peuvent aller sur notre site. Il y a un petit questionnaire d'une cinquantaine de questions. Et sur base de ce questionnaire, on va analyser les réponses et fournir un tableau de bord, un aperçu de leur situation qui permet à l'entreprise de s'auto-évaluer. Et en fonction de ça, de voir là où ça fonctionne et là où il devrait y avoir des choses. Donc ça, c'est un tout nouvel outil qu'on a mis en place. On fait des diagnostics mobilité. On a aussi des outils qu'on met à la disposition, et notamment les fameuses 50 fiches dont Xavier a parlé tout à l'heure. Et puis, avec la région Wallonne, on organise une formation pour des mobility managers, donc c'est pendant 6 jours, c'est gratuit, et ça permet en fait aux entreprises d'avoir quelqu'un en interne qui va avoir toutes les notions pour pouvoir mettre en place cette politique vélo, cette politique plutôt mobilité qu'il faut que les entreprises, sur lesquelles les entreprises doivent travailler. Et puis, on a aussi l'opération Tous Vélo Actif, qui est une opération là d'accompagnement vraiment sur le long terme pour des grosses entreprises, et pour les plus petites entreprises, c'est plutôt on fait une évaluation de la situation, on leur fait un plan d'action et on leur donne tous des outils. Et puis la cellule organise une sorte de veille informative, et du coup, en fonction de ça, on organise des workshops, on organise des colloques et on informe tous ces mobility managers, et on a créé un réseau des mobility managers qu'on réunit 3-4 fois par an sur des thématiques nouvelles. C'est une sorte de formation continue, et ça permet aussi à tous les mobility managers de se retrouver et surtout d'échanger les bonnes pratiques, et ça fonctionne très très bien. Au départ, on avait, je pense, 10-15 mobility managers. Maintenant, on est à plus de 130 mobility managers qui viennent régulièrement. Donc ça, c'est des outils qui existent en région Wallonne, spécifiquement pour les entreprises. Welke actieprogramma's heeft Vlaanderen genomen? Quels sont les points d'action que la Flandre a mis en œuvre pour pousser les entreprises à passer à une mobilité douce et à se doter d'une politique ambitieuse de mobilité? Eh bien, tout d'abord, je voulais dire que je suis impressionnée de tout ce qui se passe en Wallonie et à Bruxelles aussi pour soutenir les entreprises pour faire ce shift vers la mobilité durable. Je n'étais pas au courant
de tout, en tout cas chapeau. Je ne représente pas les autorités flamandes, mais il est vrai qu'en tant qu'entreprise, nous avons nous-mêmes beaucoup de contacts avec des entreprises flamandes. Et je pense qu'à l'époque, la Flandre a avant tout investi dans des programmes larges de subventionnement qui portaient sur la mobilité durable. C'est beaucoup moins le cas. C'est lié à la technologie avec Clean Power for Transport ou bien c'est aussi lié à une zone, par exemple, de grands travaux d'infrastructures dans une certaine zone. Et ce sur quoi la Flandre mise aujourd'hui, c'est offrir un système de soutien dans ces zones où il y a beaucoup de travaux structurels. Et ça concerne en fait le quartier nord de Bruxelles. C'est l'organisation qui s'en occupe et vous avez le nouveau Mobility Network. Il y a également donc un réseau qui est créé pour les entreprises qui ont des questions. Comment est-ce que les gens peuvent encore se rendre, par exemple, à leur lieu de travail dans la zone de l'aéroport ou dans la zone Zélic et Grand Bigard, pour ne citer que quelques exemples. Et même chose aussi pour Anvers. Donc là aussi, il y a une bonne initiative qui a été prise et les sociétés sont donc soutenues de manière qualitative avec une expertise en la matière. Et à Gand, c'est la même chose en fait, hein, donc une expertise au niveau d'embouteillage, etc. Et les entreprises peuvent donc en effet se concentrer là-dessus. Donc ce sont des aspects qui sont liés aux zones aussi. Ça peut aider les entreprises, mais également les organisations publiques afin de faire en sorte que la mobilité soit efficace et qu'elle soit durable également. Nous avons reçu une question en néerlandais. Je suis contente. Est-ce qu'il y a à Bruxelles et en Wallonie des lignes directrices pour tout ce qui est emplacement dans les parkings souterrains? C'est une question pour vous, à mon avis, non? Donc, pour les garages, donc, la législation, c'est le COBRAS. Hein, c'est ce qui va limiter à Bruxelles pour les entreprises les capacités de garage, si le garage est existant. Et dans tous les nouveaux projets, il y a le RERU en fonction de la zone d'accessibilité, donc le règlement régional d'urbanisme, en fonction de la zone d'accessibilité qui va, fixer le seuil de capacité de ce garage. Ça, c'est la législation qui s'applique aujourd'hui à Bruxelles. OK. Et au niveau vraiment des installations de recharge des véhicules électriques, est-ce qu'il y a une législation déjà dans les garages? Alors, ça s'installe. Il n'y a pas de législation qui les impose aujourd'hui. Donc, le RERU est en face, donc le règlement régional d'urbanisme, lui est en phase de modification. Il y a une directive européenne, je sais, qui impose qu'effectivement, dans tout nouveau bâtiment, on prévoit le pré-câblage pour les voitures électriques. Mais aujourd'hui, il n'y a pas encore l'obligation qui a été retranscrite, dans le droit bruxellois. Donc à ce niveau-là, c'est pas encore, pour moi, c'est pas encore très clair. Je suis pas un expert dans le câblage, donc c'est de mémoire, je vous dis. J'ai des experts à Bruxelles, en tout cas environnement, Madame Nel Sergent, qui pourra répondre plus avant là-dessus. On a eu, il y a eu une formation qui a été donnée ce lundi sur tout ce qui est donc les voitures électriques et sur les bornes de recharge. Et si ça intéresse certaines personnes, les présentations sont disponibles sur notre site internet dans formation, actes et notes des formations. Et là, il y aura toutes les interventions qui ont été données, en tout cas sur le sujet des bornes électriques et de ce qu'on peut faire et pas faire. Voilà. Et au niveau wallon, est-ce qu'on a des grandes orientations par rapport au placement des bornes de recharge en entreprise? Non, pour le moment, je n'ai rien entendu dire. Je ne sais pas s'il y a, je ne suis pas au courant en tout cas. À suivre. À suivre. Une dernière question qui, me semble-t-il, n'a pas encore été posée. Donc, quelles obligations existent pour les entreprises au niveau des différentes régions en matière de mobilité? En Wallonie, il n'y en a pas. Il y a juste l'obligation fédérale du diagnostic pour toutes les entreprises de plus de 100 personnes et qui est un diagnostic, une enquête à faire tous les 3 ans. Mais en dehors de ça, en Wallonie, il n'y en a pas. Et à l'Union Wallonne des entreprises, nous ne sommes pas demandeurs, parce qu'on estime que les entreprises ont autre chose à faire et que quand on voit comment certaines répondent à l'enquête fédérale
parce qu'elles sont obligées de le faire, mais elles n'y mettent pas beaucoup les moyens et elles le font vraiment avec des renseignements qui ne sont peut-être pas toujours très fiables. Nous, on n'est pas d'accord pour ce genre de choses et on préfère qu'il y ait une sensibilisation et que l'entreprise soit demandeur pour ce genre de choses. Et puis, la réalité n'est pas la même en Wallonie ou à Bruxelles. On a en Wallonie, dans les zones d'activité, dans les Ardennes ou je ne sais pas quoi, ben, la mobilité, ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a enfin, dans une ville, quoi. Donc, nous, on n'est pas demandeur. Nous n'en sommes certainement pas en faveur. Et je pense en effet que nous devons avant tout stimuler les entreprises plutôt que d'imposer des obligations. En ce qui concerne le diagnostic fédéral, c'est quelque chose qui a été donc postposé à cause de la crise corona. La 6e édition n'aura lieu que l'année prochaine. Les entreprises ont effectivement d'autres choses à faire, d'autres soucis, d'autres préoccupations qui doivent être mises en œuvre. Le diagnostic, ce sera pour l'année prochaine. Et ça, c'est peut-être intéressant aussi de le savoir pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Pardon. Éventuellement. À Bruxelles, par contre, il y a des obligations. Ah oui, donc je les ai déjà citées. Ouais, donc, il y a l'obligation au plan de déplacement d'entreprise qui est, elle, comme le diagnostic fédéral, reporté d'un an à cause de la crise Covid, parce que cette obligation, elle se calque sur le diagnostic fédéral. Et d'ailleurs, toutes les entreprises bruxelloises de plus de 100 travailleurs qui sont soumis à l'obligation plan de déplacement d'entreprise, s'ils répondent à notre formulaire, on forward les données au fédéral et il n'y a qu'un seul formulaire qui doit être fait. C'est vrai que c'est du travail pour les entreprises. Quant à ne pas la rendre obligatoire ou pas, à Bruxelles, c'est un choix qui a été fait depuis plusieurs années. On l'avait effectivement pendant tout un temps encouragé. Et on est passé à l'obligation avec des résultats qu'on voit quand même sur Bruxelles et des infrastructures qui s'améliorent au sein des entreprises, notamment en termes de parking vélo. Depuis 2011, on va dire le pourcentage moyen dans les entreprises du vélo, par exemple, est passé de 2% à 4%. Donc voilà, il y a des entreprises où on est passé de 5% à 28%, 35%, si c'est pas le mode direct complet. Enfin, ça, c'est pour Bruxelles environnement. Mais donc, on sent que ça a quand même été un levier intéressant à Bruxelles de le rendre obligatoire. Et pas mal de coordinateurs mobilité au sein de Bruxelles l'utilisent pour faire avancer les choses, quoi, parce que c'est une obligation. Et donc, ils peuvent aller avec ce document et dire, voilà, maintenant, il est peut-être temps qu'on fasse un parking vélo aux normes, car c'est une obligation. Merci à tous. Il est temps de clôturer cette session. Donc, merci à vous de nous avoir suivis. Merci à vous de vous être prêté au jeu des questions-réponses. Si vous avez des questions qui vous viennent par la suite, n'hésitez pas à visiter le site internet EMAS où seront publiées les vidéos des webinaires et également des informations complémentaires. Bien sûr, pour toute question concernant EMAS, vous n'hésitez pas à contacter votre organisme compétent. Donc, Caroline Dandois, ici à mes côtés, au SPW, Jean-François Doet à Bruxelles Environnement et Anne Van Riet pour Vlaanderen Omgeving. Merci à tous et rendez-vous peut-être au prochain webinaire à 13h45 pour la biodiversité.